Primature, un mot de cette audience accordée à la coalition des forces patriotiques. Les deux parties ont échangé autour des défis de la transition. Alousseïne Touré pour les détails. Les membres de ce regroupement de partis politiques acquis à la transition sont venus justement proposer des idées pour faire avancer le pays. La COFOP applaudit la sortie de la CEDEAO et se félicite de la création de l'Alliance des États du Sahel. Il faut le dire sans se tromper. N'eût été le retour de Kidal dans le giron malien, l'intégrité territoriale du Mali était compromise. Et Dieu merci, Dieu a guidé le pouvoir actuel pour une chose qui a été impossible pendant près d'une décennie d'avoir pu la réaliser. Toutes nos félicitations. Monsieur le Premier ministre, l'AES, la sortie de la CEDEAO, doivent être accompagnées par la création d'une monnaie autonome. On ne peut pas être libre et indépendant si on utilise une monnaie d'autrui. Le franc CFA est une monnaie d'autrui. La démarche de la COFOP est noble, dira le Premier ministre, qui encourage ses interlocuteurs à continuer d'être une force de proposition, notamment en contribuant à donner corps à une transition responsable. Que la COFOP a écrit officiellement au gouvernement de la transition pour lui transmettre ses propositions pour la marche de la transition. Ce document sera non seulement envoyé au président de la transition, mais les ministres sectoriels seront aussi saisis, par exemple pour ce qui concerne la monnaie. Je saisirai le ministre des Finances et des Affaires étrangères parce que c'est eux qui travaillent sur le dossier pour le compte du gouvernement, qui vont certainement le verser dans la documentation de leurs experts, parmi lesquels vous n'êtes pas physiquement, mais vos idées seront là. D'autres partis et mouvements, ils vont s'enrichir pour que le document final qui sera soumis au chef d'État de l'AES soit un document partagé par l'ensemble des forces vives du pays. Et le fait que vous avez des idées sur la bonne marche de la transition, je pense que c'est quelque chose de très utile pour le gouvernement. C'est ce qu'un gouvernement cherche d'ailleurs. C'est que les mouvements qui soutiennent le gouvernement doivent donner l'impulsion en donnant des idées au gouvernement d'épuiser dans ses idées pour enrichir sa propre vision et construire quelque chose de valable pour le pays. Le chef du gouvernement a également fait le point de la situation politique du pays et réaffirmé sa disponibilité à rencontrer les acteurs politiques désireux de faire des propositions pour la réussite de la transition.